Père du pain en loup. Joseph. Oui. Père du pain en loup monte en ballon. Julie Rose vont arriver. Ah oui. Monte en ballon, mais il avait le système si long qu'à 300 mètres dans l'atmosphère. Joseph. Là. Tes plaisanteries sur les curés. File avec tes collègues si ça t'amuse, mais pas ici. Pas devant Jules. Enfin, Augustine, une chansonnette qui célèbre les exploits aéronautiques du vénérable père du Panloup. Jules va à la messe. Et alors? Tous les dimanches, je sais. Mais tu sais pas tout. Il communique deux fois par mois. Quoi? Un homme qui entre dans notre famille. Un homme de 37 ans. Et qui a fait son droit, hein? Un fonctionnaire de la République. Joseph, déjà que t'as pas voulu entrer dans l'église le jour de leur mariage. Oh! Jules pourrait se fâcher. Et je le comprends. Mais... Alors... Il défendra à Rose de nous fréquenter. Voilà! Ah, voilà l'intolérance de ces fanatiques. La voilà! Est-ce que je l'empêche, moi, hein, d'aller manger son Dieu tous les dimanches? Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle est mariée à un homme pourtant instruit qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 bobolets? Eh bien, tout à l'heure, lorsque votre Jules arrivera pour déjeuner, je lui montrerai ma largeur d'esprit. Je le ridiculiserai par mon libéralisme. Et je ne lui parlerai ni de l'Inquisition, ni de tous ces malheureux que l'Église envoya au bûcher. Et je ne dirai rien des papes empoisonneurs Borgia, ni de la papesse Jeanne. Et même, tiens, même s'il essaye de me prêcher les conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment, et je me contenterai de rigoler doucement à ma barbe. Mais il n'avait pas de barbe, et il ne rigolait pas du tout. Oui. Ah. Ah. J'ai pris un baba. Oh, Jules, quelle bonne idée. Augustine. Oh, Augustine. Oh. Joseph. Rose. Joseph. Oncle Jules. Et pas de bonbons, hein? Non, non, non. Baba, nous avons obligé du verger. Merci, oncle Jules. Rose? Oui? Merci. Papa, vous travaillez le dimanche? Oui. Oh, des broutilles. Il est vrai que vous autres instituteurs avez les vacances pour vous reposer. Les grandes vacances. Et sans doute, devrions-nous remplacer pendant 2 mois les fonctionnaires de la préfecture? Épuisés par leur longue sieste et meurtris par les rondes de cuir. Jules! Joseph! Oui. Alors, mon cher Jules, la matinée a été bonne? Très, très bonne. Je suis allé à la messe de 10 h. Oh. Vous comprenez le latin? Je suis assis pour prier, mon cher Joseph. Je me demande parfois, mon cher Jules, si l'usage du latin n'est pas fait pour cacher des choses aux fidèles ignorants. Un peu comme l'emploi de formules magiques chez les charlatans. Je ne vous le fais pas dire. À table! Fistre sur rue de Bonbon. Ah, bravo à la cuisinière. Merci. Écoutez-moi ce nectar. Il vient de mon Roussillon natal. Ah non, pas pour moi. Un verre. Non, un verre de ce vin-là contient 500 centilitres d'alcool pur. Une dose dont l'injection suffirait à tuer 3 chiennes de belle taille. Alors, ne me récitez pas les leçons de choses de votre école normale. Elle est plus rigoriste que le séminaire. Allez, ne me refusez pas. Non, ma religion me l'interdit. Laissez-moi vous convertir. Alors, un doigt. C'est un produit naturel, même les enfants pourraient en boire.